Le vrai proxy, le vrai indicateur que regarde la Réserve fédérale américaine, historiquement, ce n'est pas le taux de chômage en tant que tel, c'est essentiellement le nombre d'emplois créés à taux plein. Et ça, aujourd'hui, Pour on le est moment, très très loin en fait des précédents plus hauts de 2008, voire même de 2000 en réalité. Et si on continue sur le simple rythme qui a été évoqué jusque-là au cours des derniers mois, on a réatteindrait ce niveau, ce nouveau sommet aux alentours de 2017-2018. Quand vous savez que la Réserve fédérale, en général, élève ou remonte ses taux directeurs, donc qu'à partir du moment où on a retrouvé ce niveau de taux donc on d'emploi, va avoir des taux de bas plein jusqu'en emploi, on va avoir des taux bas pendant encore longtemps.